Des œuvres d'art postées en plein milieu d'îlots. Voici la curiosité du Festival international des jardins à Amiens. Et pour parcourir les ortillonnages, mieux vaut se mettre à l'eau. Car ici, les visiteurs découvrent les œuvres en naviguant. C'est magnifique. Et que le temps est avec nous, donc c'est magnifique. C'est sauvage, c'est bien entretenu, c'est sympathique. On a regardé le beau paysage, on a traversé en barque. Et ça nous fait passer une après-midi en famille, tranquille, quoi. C'est le dépaysement. Que l'on soit en barque, en paddle ou en kayak, les visiteurs découvrent à leur rythme la cinquantaine d'œuvres du festival. Les ortillonnages, c'est 300 hectares dédiés pendant 4 mois à la culture. D'une part, c'est d'introduire l'art contemporain, le jardin contemporain dans ce site absolument magnifique et poétique. Et d'autre part, c'est également d'entretenir, de sauver, d'aider à ce que ce site reste dans sa beauté originelle. Chaque année, le Festival des ortillonnages fait chavirer plus de 50 000 visiteurs.